Pour réussir le DSCG, il n'y a pas de secret. Tout au long de l'année universitaire, il faut travailler son cours, faire des exercices et s'entraîner à l'aide des annales d'examen. À quelques jours du début des examens, la mise en situation d'examen est encore plus importante. Elle permet aux candidats de se familiariser avec les sujets d'examen et d'améliorer sa méthodologie. En complément de ces principes généraux, des conseils spécifiques aux différentes épreuves peuvent être donnés. Dans le cadre de l'UE 1 du DSCG, il est recommandé de raisonner à partir des règles de droit et de les appliquer au cas d'espèce. Dans le cadre des UE 2 et 3, finance et management et contrôle de gestion, le candidat doit maîtriser les nouveaux thèmes du programme. Enfin, en comptabilité et audit, le jury du DSCG conseille au candidat de s'attacher à comprendre la logique des retraitements demandés.